pouvez virer le nain qui est ici, s'il vous plaît. On n'est pas à Fort Boyard. Je sais. Jacques Pessis est mon mentor. C'est mon père, en fait. Je cherchais mon père depuis très longtemps. Oui. Tu te rappelles quand on était dans les coulisses des Césars, avec le mec qui jouait dans James Bond, le grand avec les dents, le géant, le monstre. Et Pessis, il le tenait par la main, il se baladait partout en disant « Je suis son père !» C'était drôle, il arrivait là. Il faut savoir que monsieur est un farceur extraordinaire. C'est un héritier de Pierre Dac. Et son plus grand canular, je peux le dire, son plus grand canular, c'était Léon Zitron qui fêtait son jubilé. 25 ans de radio, 25 ans de télévision. Et il avait envoyé un carton d'invitation. À 80 personnes. À 80 personnes. Et monsieur l'a photocopié et l'a envoyé à 3000 personnes. À 3000 concierges. Tous les fous et de mouvementaux que je connaissais, tous les noms en boule béquin dans le 20e arrondissement, toutes les troupes de deux cirques, et il y a eu plus de 1500 personnes qui ont débarqué. Et Zitron était fou, mais fou furieux. Il y a une dame qui dit « Monsieur Zitron, comme c'est gentil, vous êtes souvenu que je vous avais vendu un billet de la Loterie nationale en 55 et vous m'avez invité. » Et le lendemain, j'ai revendiqué l'attentat et il m'a réclamé 14 000 francs pour les consommations payantes. Oui, je sais. Et en plus, tu t'es trouvé, ce qui est magnifique, c'est que tu t'es aperçu, quelques temps plus tard, que tu habitais dans le même... Il s'est installé à côté de chez moi. Donc, j'ai mis des grandes banderoles à ma fenêtre, Zitron, c'est à côté. Il est arrivé, il me fait « Bon, jeune ami, qu'est-ce que vous faites ici ?»« J'habite là, Léon. » Il m'a regardé, il fait « Bon, je déménage demain. » Voilà, on savait s'amuser à l'époque. Ouais, et oui. Il va falloir que les générations futures n'oublient jamais le nom de ce mec. Yves Mourousi, qui était un génie de la déconne, de professionnalisme, de tout. Il arrivait à 1h moins le quart faire le joint, il ne savait pas ce qu'il y avait dedans, il se débrouillait. Ouais. Raconte-la parce qu'elle est trop belle. En fait, Paul Meurice, monsieur très sérieux, très doux. Rappelle le Paul Meurice, le mononcle. Qui est donc habite des places blanches, juste au-dessus d'une pharmacie. Et il voit Selma, avec qui il faisait des cabarets chansonniers à l'époque. Marcel, ça va, non, ça va pas, c'est ma femme est partie, ma fille est dans les ors, ce qui est vrai, puis je me drogue et j'ai pas eu ma dose. Bon. Monsieur, j'ai pas eu ma dose. Fleury, je me trouve ami. Écoute, tu connais le pharmacien, dit Selma. Oui, tu pourrais vraiment m'aider. J'ai pas d'ordonnance, c'est vrai que j'ai ma dose. Meurice veut pas, puis il tombe d'accord finalement. Selma se rentre dans la pharmacie et il indiquera qu'il connaît Paul Meurice, qui sera de l'autre côté de la vitre et qui opinera du chef. Et là-dessus, que fait Selma? Il rentre dans la pharmacie, il dit bonjour monsieur, oui, il faudrait de la vaseline. Oui. Ah bon. Oh, pas besoin de faire de paquet, c'est pour servir tout de suite, c'est pour enculer monsieur. Et il montre et Paul Meurice qui derrière fait ça. Et Paul Meurice n'a pas compris, pendant 15 ans, le pharmacien l'a montré. Il dit oh, vous en rendez compte, monsieur, si c'est rien. No.